Est-ce que ça me dit quelque chose, Romain Brunet? Il a tout ce qu'il faut, il a les outils, il a le mental, il a la confiance en lui, il va bientôt avoir un nouveau contrat, ce qui veut dire qu'il aura la sécurité. Yeah, I mean, we have LeBron, we have Wade, but this guy Roman just dominates every game, and I heard he's coming tonight, I just can't watch him on the floor tonight. He's a French guy, right? Yeah, so he's French, he just makes shoot, every you know? Basket. Three pointers, free throws, you can see he's all over the court, he's the man. Romain, c'était un jour qu'on avait, scouté. Ouais, et vous êtes prêt à mettre le paquet, non? Ah ouais, je pense que... Mais bon, je peux pas annoncer de chiffres. C'est tellement énorme. Voilà, ça c'est Romain Brunet. XXL, VIP, l'homme du rebond. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas. Enfin, je viens de comprendre. Je suis arrivé ce matin, dans mon bureau, il y avait un bazar innommable. J'ai demandé à mon assistante ce qui se passait. Elle m'a dit, mais monsieur, vous n'êtes plus là. On vous a piqué votre place. C'est un petit jeune qui s'appelle Romain Brunet, qui maintenant dirige la fédération. Romain Brunet, mais c'est un nom que vous connaissez bien, non? Oui, c'est un gars que j'ai connu quand il était tout minot, passionné de basket, qui a bien évolué, qui professionnellement était en train de faire une fulgurante carrière dans le journalisme. Puis là, depuis qu'il s'est marié, on ne l'arrête plus, il a pris des ailes. Ah, je sais pas où jusqu'où il va aller, mais il va faire du chemin, quoi. Après, tu as amené tes talents à South Beach, comme LeBron James? Mes talents de plagiste, ouais. Ah, pas mal. Mais t'as des gros talents de plagiste. Ah bah, ouais, tu vas voir, j'ai quelques moves. Il y a eu une époque où effectivement Romain commençait un peu sa carrière, rappelle-toi. C'était quand c'était en 97, 18 97, là. Où il suivait Tony Parker partout. Et voilà, je me souviens, il voulait faire la vie de Tony Parker. Et là, il avait un plan. Voilà, il est devenu fou, il a bu une fois un verre avec Tony Parker. C'était quoi? C'était au VIP de Coubertin, non? Je sais pas. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a une bascule qui s'est opérée à ce moment-là. Clairement. Oui, on l'a perdu. On l'a perdu, mais il y a longtemps, hein. 14 ans, 15 ans. Au départ, il voulait faire Rallyman. Hein. Un taré de voiture. Hein. Il a fait plusieurs fois Paris-Po en Porsche, aller-retour. Hein. Juste pour suivre l'équipe de France de basket qui s'entraînait à Pau. Je me suis retrouvé avec lui en Finlande. C'est un beau pays. Drôle d'endroit pour une rencontre. Quoi. Ouais. Je me suis retrouvé en Finlande avec Romain au mois d'août. Moi, la Finlande au mois d'août, ça m'intéresse pas beaucoup. Si je vais en Finlande, c'est plutôt au mois de décembre. Mais Romain m'avait vraiment poussé à le suivre en Finlande. Parce que je voulais faire au départ le rallye des Mille Lacs en automobile, tu sais, en rallye. Il dit, viens me suivre parce que ça va être énorme. Je me suis dit, ok, moi, je relève le challenge. Qu'est-ce qui se passe? Il se pète la cheville. Ah, mais ça, il a toujours une cheville fragile. Hein. Ça, c'est un de ses problèmes. Alors, c'est vrai que ça a limité sa carrière de rallyman.
Tu déclares la mise en quarantaine ou pas? Tu déclares la mise en quarantaine ou pas? Qu'est-ce qu'on dit au propriétaire là? Les fuites radioactives Là, écoutez, j'ai tout tenté. T'as décelé? C'est bouché, c'est infernal, ouais. Ça coule de partout. Qu'est-ce qu'on dit à la propriétaire? Qu'est-ce qu'on dit à Monique? C'est au-delà de ce qu'on peut faire. Non, je te jure, il a été bon un jour. La ferme de Limoges, la ferme de Sars. C'était un peu le Drazen Petrovic du Val-de-Marne, quoi. Bon, pour Romain Brunet, c'est toujours sur la VIP. Ouais. Ce soir, je vous emmène à la voilerie. C'est une petite boîte de nuit sympathique. C'est bon. La voilerie, c'est au sous-sol. C'est une boîte entre potes. C'est une boîte privée, quoi. Il nous éclate. T'as pas appuyé sur le bouton, là, c'est... Et un bon Didier en plus. Bon alors donc, qu'est-ce que ça te fait d'être reçu un peu en mode festival de Cannes, la soirée spéciale, là, c'est un peu le Martinez, ouais, qui est pour toi tout seul, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Tout seul, mais avec mes amis, et c'est ça le plus important. C'est une petite boîte de nuit sans prétention. Il y a un peu d'alcool, un peu de musique, c'est normal. Ouais, ouais. Pas non plus de quoi... On vous laisse découvrir. Ouais, ouais. Moi, ce que j'aimerais savoir chez Romain, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un déplacement, il veut une chambre double. Il a les moyens d'avoir une chambre simple, et je ne sais pas. Il veut toujours une double. Il veut toujours être avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour assurer sa... Ouais, peur de la solitude, je pense. Voilà. Faire la chose suivante. Bon, on avait rendez-vous aux Jeux Olympiques parce que je crois qu'il devait quand même assumer sa mission jusqu'au jeu. Hein. Donc, si on fait un résultat au jeu, il me rend ma place. Ok, Romain, si on fait un résultat au jeu, tu me rends mon job. Bon, en attendant, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Bonsoir à tous. Romain, madame, tout d'abord, félicitations. Pour une grande soirée, une soirée spéciale pour vous tous. Donc depuis ici, depuis les vestiaires de Oklahoma, je voulais vous souhaiter tous mes voeux de bonheur. Romain, ça va pas être facile. Tu vas devoir slow down un petit peu avec le basket. De toute façon, je sais que ta cheville, elle est pas au top en ce moment. Donc c'est pas trop grave, mais la vie, elle change. Prends-le pour un gars de la part d'un gars marié, ta vie, elle va changer. Et c'est pour le pire et le meilleur. Donc voilà, tous mes voeux de bonheur et bonne chance. Donc Romain, alors, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais Philippe Morin, je travaille chez Nike, j'y suis toujours d'ailleurs. Et à un moment, on avait cru effectivement en toi et il semblerait que tu te sois blessé. On m'a dit que tu avais 29 ans, je crois, ou 30 ans. Et pour ton info, cet été, on refait un Nike Camp. Je sais pas si tu te rappelles des Nike Camp, mais donc il y a une possibilité de te réinscrire et pourquoi pas faire la sélection.
Voilà, donc bah, écoute, je te souhaite un très joyeux mariage et puis t'espère te revoir sur les terrains très prochainement. Salut Romain, je voulais te féliciter pour ton mariage. Bon, félicitations à vous deux, je vous souhaite voilà, une belle vie à tous les deux. Et aussi j'espère qu'on se verra à Chicago. Bon, je te propose pas de faire un contre-un parce qu'on m'a dit que tu es en carton, donc c'est mieux pour toi qu'on n'y joue pas. Mais en tout cas, je te souhaite bonne chance, longue vie à tous les deux et qu'on, eh ben, félicitations encore. On fait un petit coucou à Romain Brunet, notre collègue de Basket USA notamment, et avec son blog aurebondsurlemonde.fr, qui va se marier demain. Donc on lui fait un petit coucou, on le félicite, on souhaite bonne et heureuse aventure aux jeunes mariés. Salut Romain, bah écoute, je te souhaite un bon mariage. Si tu te maries le 21, fais pas trop la fête quand même, parce qu'il y a les JO après, il va falloir que tu sois au top quand même. Allez, ciao. Salut Romain, félicitations pour ton mariage. Eh ben, salut Romain, tu vois c'est Rémi, on se connaît pas des masses, mais même quand je vais à San Antonio au Texas, on parle de toi et de ton mariage. C'est quand même fantastique la NBA. Hey Romain, this is Chris Cooper with the Denver Nuggets. I just want to wish you the best. Heard your ankle was broken, but you'll be back in no time. And congratulations on getting married in July. Stay positive. Oi, meu nome é Thiago Splitter, sou jogador do San Antonio Spurs. E Romain, fiquei sabendo que você vai casar. E acho que você é muito pequeno para jogar basquete contra mim. Mas tá tranquilo. Muitas felicidades, tudo de bom e que a vida vai muito bem para você. Um abração, tchau, tchau. Romain! On t'attend à Los Angeles!